Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va tester pour vous de brasse la Eagleton Harmonia EQ Naturelle, donc une guitare classique. On va voir un petit peu les caractéristiques de la guitare, ensuite je vous montrerai un petit peu comment elle sonne et puis je vous donnerai mes conclusions sur ce produit. C'est parti! Alors la Harmonia EQ Naturelle de Eagleton, donc guitare classique, on peut voir ici donc le corps est en épicéa massif, il n'est pas verni, il est brut, ce qui lui donne un look tout à fait sympa, qui change un petit peu des guitares classiques habituelles qu'on peut voir avec des tables en cèdre plus foncé. Ici il y a le petit écran de contrôle pour la mettre en électro avec vous voyez le petit écran qui permet d'accorder la guitare, donc accordant à l'intégrer, ce qui est plutôt sympa, plutôt pratique. Et puis ici, hop, juste en dessous, on a donc les sorties pour pouvoir brancher la guitare sur un ampli ou éventuellement sur un ordinateur si vous en êtes équipé pour enregistrer. Harmonia EQ Naturelle, c'est une guitare qui est très sympa à jouer, elle a un son très rond, on peut quand même pas mal la pousser, elle a un son qui est assez puissant si on la pousse un petit peu, et ça malgré le fait qu'elle ait une table d'harmonie justement assez fine, ce qui permet d'être beaucoup plus simple à jouer, notamment pour les débutants. On a la guitare vraiment ici, alors que d'habitude un peu plus de profondeur sur les guitares classiques habituelles, donc plutôt facile à jouer. Il y a le manche aussi qui est en forme de D, je pense, alors que d'habitude on est plus sur des formes de C. Je sais pas si ça va bien se voir à la caméra. Ce qui est pratique si jamais vous faites de la guitare folk ou de la guitare électrique et que vous voulez passer sur une guitare classique. Voilà, la forme du manche qui est assez plat à l'arrière, c'est pas perturbant quand on passe d'une guitare folk par exemple, alors que d'habitude on va avoir des manches qui sont beaucoup plus épais, et donc une prise en main qui est différente. Donc là la prise en main se fait très bien, et puis il y a le côté quand même électro qui est sympa et qui peut servir pour envoyer un petit peu plus de son. Pareil, son très chaud dû à la table en épicéa, et puis elle a un look assez sympa, je trouve, avec le petit triangle ici de rappel de la table, et puis la table qui est brute, qui est pas vernie, ce qui est pas habituel sur les guitares classiques. Donc voilà, elle a un look très sympa, donc je recommande tout à fait cette guitare de Eagleton Harmonia EQ Naturelle. Voilà, c'est tout pour moi.